Choisir sa spécialité de coach, 4 clés pour ne pas se tromper. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mylène Muller, la créatrice de la CAP Coaching School, une école de formation au coaching de vie ou coaching personnel. Dans cette vidéo, j'aimerais revenir sur cette thématique, celle de la spécialisation en tant que coach. Alors, on dit souvent que c'est un point essentiel que de trouver sa spécialité. Eh bien, j'aimerais dans cette vidéo déjà aborder, on va dire, 4 clés, 4 pistes de réflexion, d'action pour identifier cette spécialité. Première chose à faire, et j'ai envie de dire premier choix à faire de spécialité, c'est celui qui va, on va dire, opposer, distinguer coaching professionnel d'un côté, coaching personnel de l'autre. Donc la question ici, c'est est-ce que vous souhaitez vous consacrer au coaching dans un cadre professionnel ou sur des thématiques professionnelles? Dans ce cas-là, le coaching professionnel aurait davantage sa place, c'est-à-dire qu'ici, vous allez vous former aussi au mode de fonctionnement de l'entreprise, des organisations et vraiment cibler les thématiques problématiques professionnelles rencontrées par vos clients. Et puis, deuxième possibilité dans ce premier choix, c'est le coaching personnel ou coaching de vie, où là, vous allez accompagner des individus sur toutes les thématiques que vous souhaitez. Donc ça, on en reparlera après. Pas forcément hors professionnel, ça peut également inclure des thématiques professionnelles, mais pas que. Et là, vous allez vraiment vous adresser à des individus hors cadre d'exercice, hors entreprise. Donc ça, c'est vraiment le premier choix à faire. Donc pour ce qui est du coaching professionnel, il y a une reconnaissance au RNCP qui existe, donc un titre spécial qui demande donc des compétences particulières. Si vous souhaitez vous former au coaching de l'individu, coaching personnel ou coaching de vie, dans ce cas-là, ce n'est pas un titre qui existe encore, qui est reconnu par l'État, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas trouver une formation sérieuse pour vous y former. Donc ça, c'est vraiment pour moi le premier choix à faire entre ce coaching entreprise et ce coaching d'individu ou coaching de vie. Deuxième choix à faire sur cette voie de la spécialisation, c'est la question du public. Ici, ce qu'il faut se poser comme question, c'est quelles sont les personnes avec lesquelles j'ai envie de passer mes journées. Hein, puisque le public que vous allez choisir, eh bien, c'est celui avec lequel vous allez travailler. Donc, il faut vraiment ici se poser la question de quel est mon public idéal, en fait, pour que ma vision professionnelle corresponde à mes attentes, eh bien, avec quelle personne est-ce que j'ai envie de travailler au quotidien? Pour se poser, pour choisir ce public, je dirais que va falloir tenir compte de vos expériences personnelles, de vos expériences également professionnelles. Si vous êtes déjà coach et que vous avez déjà expérimenté des publics différents, bah peut-être simplement être attentif, attentive à ce qui vous parle le plus, à ce qui vous convient le mieux, les personnes avec lesquelles vous avez le sentiment d'être à la meilleure place, avec qui vous vous sentez plus impactant, plus impactante. Donc ça, c'est une façon de choisir. Et puis, j'ajouterais que ce choix-là du public doit être fait assez tôt, tout de même, dans votre fonctionnement, dans votre développement d'entreprise, parce qu'en fait, de là va dépendre votre façon de communiquer. On ne va pas communiquer de la même façon et même on ne va pas choisir le même nom d'entreprise selon qu'on va s'adresser à des enfants, à des femmes, à des hommes, à des parents, à des leaders ou dirigeants d'entreprise, etc. Je prends l'exemple de l'entreprise que j'ai créée, les défis des filles zen. Bon, dès le départ, il y a un choix de s'adresser davantage aux femmes. Donc, c'est très important d'avoir un petit peu de clarté sur ce public avant de commencer votre activité. Alors, au pire, c'est quelque chose qui peut ensuite s'affiner, mais dans ce cas-là, il faudra choisir de préférence des modes de communication plus généraux pour ne pas avoir à tout changer si finalement, eh bien, vous faites évoluer votre public idéal. Donc ça, c'est vraiment la deuxième clé, la deuxième chose à faire, c'est ce choix de public qui doit donc correspondre à eh bien, vos préférences personnelles avec qui vous souhaitez passer vos journées. Troisième choix pour eh bien, déterminer sa spécialité, c'est vraiment la question de la thématique. Sur quelle thématique, quelle problématique est-ce que vous vous sentez le plus apte à accompagner? Alors ici, je vais mettre tout de suite un bémol. Donc pour choisir cette thématique, il va être important de vous référer à vos expériences professionnelles d'accompagnement. À quel moment est-ce que vous avez senti la magie, on pourrait dire, opérer? Également votre expérience personnelle. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez vous-même surmontées et qui du coup prennent davantage de sens à être choisies comme thématique privilégiée de vos coachings?
Et donc un point d'attention ici qui est à ne pas basculer dans le mentoring ou l'idée de partager ensuite aux autres ce que vous-même avez fait. Donc c'est une chose que je vous invite à faire, mais toujours avec ce point d'attention hein, tout de même pour ne pas eh bien, être tenté finalement de guider les autres pour qu'ils suivent les pas que vous-même avez tracés. Quatrième chose que je souhaitais vous partager ici, dans cette notion de spécialisation, c'est vraiment l'importance, d'après moi, de travailler de manière assez fine sur votre vision de coach et bien sûr d'accompagner cela d'un travail sur soi en profondeur. C'est très important parce que comme vous vous en rendez probablement compte, il y a de plus en plus de formations coaching, il y a de plus en plus de coachs et je crois qu'il va être de plus en plus nécessaire en fait de réussir à se distinguer, de trouver son unicité, de trouver sa plus-value, de vraiment trouver, définir et créer cette identité de coach qui vous est propre. Plus vous allez en fait affiner cette vision de quel coach vous voulez être et moins la concurrence va vous toucher parce que plus vous allez dégager quelque chose de très fort. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler en parallèle sur les compétences de l'entrepreneur hein, pour vous faire connaître, pour créer une offre, pour vendre votre offre. Attention, les deux pour moi sont vraiment complémentaires et il serait illusoire de croire que parce qu'on a trouvé son identité de coach comme par magie, tout le monde va venir à soi et voilà, ces techniques, ces outils sont tout de même importants. Mais vraiment, je vous invite à prendre le temps de travailler sur cette vision de coach. Comment est-ce que vous voulez être comme coach? Quelle est votre journée idéale de coach? Voilà, à quoi ressemble vraiment cette vie professionnelle souhaitée en tant que coach pour pouvoir, eh bien, pas à pas ensuite, aller identifier ces éléments de spécialisation et puis aller créer les conditions propices à votre développement et votre réussite d'activité. Voilà ce que je souhaitais vous partager sur cette notion de spécialité de coach. Si c'est quelque chose qui résonne et qui vous parle, cette idée de travailler sur sa vision de coach en profondeur, eh bien sachez que c'est vraiment une chose qu'on propose dans notre formation et qu'on fait avec nos stagiaires. Je vous mettrai un petit lien vers notre page, notre site, si vous le souhaitez, pour découvrir un petit peu nos services et notre approche. Passez une très très belle journée. Merci pour votre attention.